au Lavandou. Oh là là, oui, quel poète. Oui, il fait doux au Lavandou. Oui. On va rester sur l'ambiance musicale de la Starac avec une grosse pensée pour Karima Charny qui est en train de nous regarder en ce moment. Alors regardez ce lever de soleil très joli sous un ciel parfaitement dégagé au Lavandou. Et oui, il va faire un grand soleil aujourd'hui dans le sud du pays. En revanche, c'est bien plus mitigé dans le nord, mais là où il n'y a pas de jaloux, c'est sur le côté des températures. Car et oui, c'est de la grande douceur pour tout le monde. Une vague de grande douceur est en train de s'installer sur le pays. On regarde ça dans le détail. Un ciel donc bien mitigé de la Vendée jusqu'au Grand Est ce matin avec beaucoup de nuages et de la pluie. Un ciel encore gris et humide du centre jusqu'au Hauts-de-France. De belles éclaircies à l'arrière sur la Bretagne ce matin. Beaucoup de grisailles et de brouillard dans le sud-ouest, assez dense, mais ça va se dissiper au fur et à mesure de la journée. Et donc ce grand ciel bleu dans le sud des Pyrénées jusqu'aux Alpes. Cet après-midi, nette amélioration, le soleil va gagner du terrain. En revanche, une bande de nuages assez persistante va durer, va rester ici, de la Vendée, Charente jusqu'en Alsace. Et puis ce vent, tout de même assez sensible, sur les côtes de la Manche. Côté température, de la douceur, comme je vous le disais, dès ce matin, 19 degrés à La Rochelle. Et si ça ne va pas bouger, beaucoup bouger à La Rochelle aujourd'hui, en revanche, le mercure va bien grimper dans le sud du pays, notamment dans le sud-ouest, 27-28 degrés entre Agen et Toulouse. Ce sont des valeurs davantage de fin août, début septembre. Donc c'est le retour de l'été ce week-end et cette semaine.